Salut à tous et à toutes, c'est Patachon 06. Je suis accompagné de TheMinecraft44 qui va vous expliquer 2-3 petites choses. Hein. Ben, salut à toutes et à tous, c'est TheMinecraft44, donc on se retrouve dans la vidéo sur notre chaîne, car il y a eu la première vidéo qui était sur Grand Forest, non ? Grand Fantasia, sauf que je l'ai pas encore fait, parce qu'elle a eu 2-3 bugs. Voilà, donc... Si je dis notre chaîne, parce que Pata et moi on fait un partenariat ensemble YouTube, car comme moi le rythme des vidéos, j'arrive pas tout le temps à le tenir à cause du taf, donc on a vu ensemble, enfin même Pata avait envie puisqu'il a une chaîne YouTube, mais il a pas envie de revenir au bout de 8 mois sur sa chaîne YouTube, logique. Donc il a eu l'idée de... Il m'a proposé l'idée de venir avec moi sur ma chaîne YouTube. Comme ça, il démarrerait pas à zéro, moi je lui dis, bah, y a pas de problème. Donc on fera quelques tests, hein, bien sûr. Là, les vidéos avant qu'elles sortent, moi je les regarderai en privé, voir si elles sont de bonne qualité, si on l'entend bien, des trucs comme ça. Et donc lui, il sortirait une, pour l'instant, serait une ou deux vidéos toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines, on verra. Tout dépend le temps que lui, là, tu lui peux tourner que le week-end, donc je peux tourner toute la semaine, tous les midis. Mais c'est juste que moi après le midi quand je rentre, quand je rentre du boulot, je passe finalement envie de tourner. Donc Pata va, on va dire, il va compléter un peu dans la semaine. Enfin, moi, vous voyez, je vais tourner beaucoup de vidéos en avance, c'est ce que je fais maintenant un peu. Et je les mets en privé et je les sors régulièrement. Et je pense que c'est ce qu'on fera avec Pata, il passe, tournera le dimanche, il la mettra le lundi, elle sera en privé. Puis imaginons si moi le lundi je vais sortir une vidéo du modé ou de Craft YouTube. Et bien moi, cette vidéo, je la sortirai le mercredi, puisque les vidéos seront que un jour sur deux, puisque autant pendant les vacances, j'arrivais à faire presque tous les jours. Mais là, maintenant que je bosse, c'est plus possible de faire tous les jours. Et avec le temps de farm qu'on a sur le modé, maintenant, c'est plus possible. Mais Craft Cube va suivre maintenant. De quoi ? Craft Cube, hein, si vous voulez savoir, on a fait un truc hier, je vous explique vite fait la truc. Minecraft 44. On va parler de lui. Il a parlé plein de TP, donc on l'a un peu giclé. Il ne manque plus qu'à gicler du modé parce qu'on a envie de le faire. Pendant qu'on a tourné l'épisode de Craft Cube, il est venu avec nous. C'était une nouvelle personne de la série. Donc on a dit, bah, tiens, il va faire l'épisode avec nous. Et pendant l'épisode... Il a parlé que de TP. Bon, désolé, hein, si tu... Pendant l'épisode, il a fait que parler de... Oh, on peut se guider ça, on peut se guider ça, est-ce qu'on peut se TP? Donc je vous prierai de pas en tenir compte. Parce que... Il n'y a eu aucun give qui a été fait. Ce matin, il a encore essayé de se give. Donc je l'ai dégagé du serveur, je l'ai dégagé de la série, il sera que dans l'épisode 2, malheureusement pour lui. Donc il s'est gifté quelques trucs ce matin, j'ai tout dégagé. Il s'est fait kick plusieurs fois, il a pas voulu comprendre qu'il fallait pas se give, que moi dans toutes mes séries on se givait jamais, on se mettait jamais en créatif, on se tapait pas. Il voulait pas en entendre parler, donc tout à l'heure il est parti. J'ai fait les gars pas trop réglo, je me suis coué avec son compte, je lui ai vidé son stock pour récupérer le stuff. Under Chest pareil, ouais, on la banne du serve, on la banne et on la banne IP, donc tu peux changer ton IP, tu peux revenir, je pourrais te ban autant de fois que je veux, moi je m'en lasserai pas, j'en ai rien. On a rajouté la whitelist, on a rajouté la whitelist et tout, il y a, donc sur la whitelist, hein, si vous savez pas, il y a, je vous le dis, hein, il y a Mr. QWERTY HD, moi, TheMinecraft44, TheMinecraft, quand on a besoin du spawner, c'est son deuxième compte premium. Moi, je me suis pas mis mon deuxième compte premium, et il y aura Palmacraft. Voilà. Palmacraft qui arrivera dans... L'épisode 3 ou 4. Un moment. Non, plus. Beaucoup okay. Plus. Il arrive, ça se trouve, il arrivera que dans un mois ou deux. On a déjà pas mis dans la whitelist, parce que là, il est à la fac maintenant. Il rentre le 18 à la fac, mais on n'a pas le temps de trop jouer ensemble à 200, parce que le temps qu'il prévoit, c'est quoi tout. Donc, voilà. Donc pour la série là, Energy Cube, Monsieur Patachon, je viendrai peut-être de temps en temps quand j'aurai le temps. Sinon, les 3/4 de la série seront en solo pour lui-même, plus 80% de la série seront en solo, de son côté. Ouais, c'est voilà. Ça. J'avais que ça à dire, donc moi je vais lui laisser faire sa vidéo parce que moi j'essaie de me co, puis j'ai un bug avec mon compte Minecraft, donc soit je me fais hack, soit... Il y a un bug de connexion, ce qui est fortement possible.
Oh, si je suis en train de me faire hack, voilà. On t'entendrait Ça bugger si ce serait ça. Mais pourtant. Donc les gens, moi je vous laisse avec Pata faire sa vidéo. Donc, Ok. je l'écoute dire ses conneries sur Skype, mais je me mute comme ça, je vais pouvoir rigoler tout seul. Donc les gens, je vous dis bonne vidéo, bonne série à toi Pata. Merci. Bon. Et puis pour moi, on se retrouve soit sur un épisode du Monet ou Craft Cube. Ou Ou. tout à l'heure s'il arrive à ou plus tard si il arrive à me à y aller finalement. Voilà, donc là on est dit on juste on est le dimanche 13 septembre. Ça sort tout dans une ou deux semaines. Alors là, normalement à l'heure, enfin à l'heure que vous entendez cette vidéo, comment l'animation modée, le combat sera sortie depuis un moment. Donc je la sors maintenant. Faites passer sur Twitter, sur Facebook, puis donnez le lien sur votre Skype si vous l'avez bien aimé. Donnez-moi des conseils surtout dans les commentaires. Ouais. J'ai eu beaucoup de conseils dans la première vidéo qui m'ont bien aidé déjà pour les textures et puis pour les gestes des personnages grâce à Palmacraft, un pote. Et donc je les remercie fortement et tous mes potes qui ont vu la vidéo ils m'ont dit que c'était super sur Skype. Donc je les remercie d'avance et j'espère qu'ils diront pareil pour la deuxième vidéo ou que je me Ok. suis donné encore plus à fond et a fait, je crois, a fait 12 ou 13 secondes donc elle est beaucoup plus longue que la première qui faisait 4 secondes. Voilà. Et j'ai un truc à rajouter. Je remercie Palmacraft de d'aider The Minecraft 44 à faire ses animations 3D. Hein. Vous aurez vu, il a vachement bien aidé en disant de quoi faire dans les paramètres et tout. Ouais, j'avais des couches à modifier, les couches alpha, les trucs comme ça, les textures et tout, puis maintenant ça rend super bien. Donc voilà, donc moi je dis à Pata bonne vidéo et puis je vous laisse avec Patachon raconter ses conneries. Allez, Voilà. bonne vidéo! Ouais, merci. Donc nous voilà. Hein. Donc j'ai pris les deux Yellow Earth Canister qui étaient dans ici et ici. Je les ai vus le temps que qu'on essaye de faire venir The Minecraft. J'ai pris les livres comme ça au moins si vient il pourra. Là c'est les livres qui nous disent quelle difficulté mettre et tout je crois. Donc matériel énergie cube spatial mine tout. Matériel énergie hypercubed bi parcelle 31 U Atwork bi Thomas M. Il n'y a pas de règle hein. Pour commencer la map il faut foutre un faut mettre un bouton ici donc easy mode il faut mettre la difficulté en facile parce que vu qu'on est sur une sorte de skyblock le spawn des mobs est énorme. C'est à peu près ça, hein. Voilà, en easy. Ça va pas nous servir les boutons, donc hop. Voilà, hop, je suis en train de me faire TP. Donc voilà, les petits lags de début. Bon, je vous préviens juste d'un truc, hein. Je suis désolé si la qualité ne sera pas aussi bonne que chez The Minecraft, hein. J'ai pas un PC aussi puissant que lui, j'arrive pas à faire tourner des mods aussi bien que lui, donc voilà. J'ai quoi à faire comme quête? 34 quêtes, hein, il y a dans ce jeu, enfin dans ça. Lost in Space. Par contre, je vais mettre du son, parce qu'il n'y est pas, j'ai l'impression. Si, simplement il a dû bugger, désolé. Désolé, hein, si vous entendez pas le son, dans le prochain épisode, ça sera réglé. Il faut que je trouve la clouque et le compas. Il y a quoi ici? Bah, la clouque et le compas. Comme vous voyez, on est dans l'Inde. Enfin, je crois. Oui. L'histoire, c'est qu'on est dans l'Inde et... Voilà, pas besoin de dire ça. Voilà, j'ai eu la quête. Un Red Canister. Red Canister, ça nous permet d'avoir plus de vie, hein. Vous voyez ici. Là normalement je vais la régène bientôt. Voilà vous voyez. Donc le cœur de cœur ça nous sert pas. On peut gicler. Voilà, il me fallait le spatial log, je l'ai. Faut que j'aille au travel en shore. Bon désolé hein, si mon accent est un peu nul. Je peux pas traverser à travers, non? Je croyais. Bon, on descend. J'ai vu qu'il y a des
Il y a des trophées ici, il faudra que j'aille les récupérer. Faut que je... Ah ouais, on va prendre ce qui est ici. Golden Egg, Mystery Arrow, Red Clay Stained, des cookies, Sugar Cane, Cactus et Ender Marker. C'est pour les quarries, ça? Ouais, bon. Il est là, le Traveler Shore. Hop, le visiter. Il n'y a rien d'autre, hein, comme vous voyez. Donc, pour l'instant, on va faire ici. Chemical Reactor, Victorious Monument, enfin Victory Monument, Observatoire et le Big Reactor. Je sais pas ce qu'il y a, il y a besoin de le... Non, là c'est le réacteur, je crois. Hop, réacteur. Faut que je me colle. C'est cool, hein, parce qu'il est déjà rempli, le réacteur. Les turbines, les déjà en haut, je crois qu'ils sont au maximum. Ils sont reliés à un tesseract qui envoie l'énergie. Je regarde et je tombe sur quoi? Sur un corps. Oula. Bon, hein, désolé des lags. Un trophée. Bon, ensuite l'observatoire, le Victory Monument et le Chemical Reactor. Bon, désolé des fois si vous entendez des bruits, ce n'est pas de ma faute. Chemlab. Bon, c'est normal hein, si vous voyez. C'est, on est dans l'Aisne, donc la luminosité est pas très élevée parce qu'on est dans l'Aisne. Ça, c'est des élévateurs de Open Blocks. On saute pour monter. On fait shift pour descendre. Donc ensuite, faut que j'aille visiter où? L'observatoire et le Victory Monument. Là, il y a quoi? Chemlab, réacteur. Ouais, il nous montre, c'est cool. Observatoire. Ah, donc oui, c'est ça. Dans l'observatoire, ici, là, il y a de l'ineffaçable glace qui en sneak, on peut pas la traverser et normalement, on peut la passer. Qui empêche les mobs de passer aussi. Et là il y a c'est la salle qu'on générera du monde, les mondes différents, parce que oui il va y avoir des mondes différents. Là c'est là qu'on va mettre des systèmes applied, je pense, parce que c'est des fils applied. Là c'est la sorte de batterie géante. Ensuite, il me demande de visiter quoi d'autre? Le Victory Monument. Ah, j'ai pas vu. Il est là-bas. Voilà, le Victory Monument. C'est là où que on va récolter les laines de tous les mondes différents qu'il va y avoir. Parce qu'il va y avoir 20 mondes, je crois. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 mondes. Enfin, il y a plus de 16 mondes parce que, en fait, il va y avoir aussi des mondes minage pour avoir plus rapidement des armures et tout. Hop, attends. T'es sérieuse, man? T'es sérieux? En fait, tu peux désactiver le partage, s'il te plaît, ça va Thank faire. you. Bon, Bata, tu coupes désolé, ton micro petite quand c'est comme ellipse. ça. Tu coupes ton micro quand Non, c'est comme mais ça. j'ai fait une ellipse, c'est pour ça. Ok. J'ai fait la micro-ellipse, donc désolé de la micro-ellipse. Il y a The Man qui est con. C'est tout. Rien d'autre à dire. En attendant que tu fasses ta vidéo, moi je vais faire mon timelapse. Ouais. Oui, parce qu'il a dit depuis ce matin, monsieur est sur le modé, enfin sur Craft Cube, en train de faire un timelapse qui va durer 10 secondes, qu'il aura foutu toute la journée. Non, il va durer 5 minutes. J'y suis depuis hier soir 22 h le timelapse. Core log, où c'est qu'on obtient Parce qu'en ça? fait sur Craft Cube, enfin, elle est bien notre spawn, mais où qu'on fait nos bases, elles sont, enfin, où qu'on fait nos trucs, c'est pas super beau. Donc je refais. En gros, je refais toute la butte. Je la refais toute propre. Il est débile.
Je suis au quatrième coffre double de 12. Ouais, ça c'est vrai. Je peux vous assurer, c'est vrai, il a essayé de m'enfermer. Et t'en as mis 15 stacks, connard. 3 stacks. Lol. Je sais. Corlog, il est ici normalement. Mince. Je sais pas quand il sert les flèches, mais bon, on les garde quand même. Là, y a rien. Y a rien. Je cherche le corlog. Oh, tiens, ça me sert. Le corlog. Sous le bon, c'est très utile. Donc voilà. Il est où le corlog? Il est sûrement là. Voilà, il est là, ouais. Hop. Bon, désolé si vous entendez pas le son. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs cachés. Pas le temps de parler que j'en trouve. C'est horrible. Je regarde. On les voit même pas en plus. Je suis obligée de regarder comme ça. Hop. Bon. Je vais vérifier ici en dernier et au pire je vérifierai le reste du monde plus tard. Non mais c'est horrible, il y en a de partout. Si on regarde bien, il y en a de partout. On va avoir un peu de stuff dès le début, ça va être cool. Là, et je crois que là, ça va être tout dès qu'on tourne à lui. Bon, c'est tout. Bon, je pense que là, déjà, on va ouvrir les petits reward bags qu'on a. Désolé du bruit derrière. Si vous entendez. What? À tes souhaits. What? J'ai eu une fleur. Freezer Feeling 5, protection 5, leurre 5. Tu m'expliques? Bah t'as eu de la chatte. Ça me sert à rien. Des Yellorium Fuel Rod, un bouclier. Des glaces. Un storage boost. Bon. Je vais poser un peu tout ce que j'ai là pour l'instant parce que je sais pas. Attends. Attendez. Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille au Spatial IO pour avoir un autre reward bags. Il me faut un compressé de cookies. Je regardais un peu. Je regarde un peu. Hein. Tu peux taper une barre, je peux même pas me co pour aller jouer sur mon serveur. Non. Je te Lol. crois pas. Bah c'est pas des conneries, s'il veut pas me co. Je peux pas mettre The Minecraft 44, tu vois, comme il est que bloqué sur The Minecraft. Non. Te marre pas, s'il te plaît, te marre pas. Première connerie dans le de la journée, hein, déjà. Abruti. Donc voilà, on va un peu poser ce qui nous sert pas, les torches nous sert. Parce que YOLO, y a plus de soigne. Désespoir, mon gars. Ok. Ah, un hunting Je suis knife. d'accord avec toi, ça mériterait un suicide là par contre. Bah vas-y, hein, si tu veux. Oh non, le golden, ça sert à Ça rien. va le faire, hein, ça va le faire, ça devrait le faire. Bla. Bon, je sais pas si c'est si puissant que ça. Hein. Ça me sert pas, ça non plus. Bon. C'est pas ici, c'est ici. Hop. Hop. Je blop. J'ai inversé, je crois.
Attendez 2 secondes. Voilà. J'ai commencé à quelle heure, tu sais, ou pas, The Man? Tu sais à quelle heure on a commencé, The Man? Ça 37. On a commencé à 37, ok. Ça va déjà bientôt faire une demi-heure. Hein. Bon. On va terminer les quêtes et... Ça passe vite quand on glande. On va aller au spatial IO et on va vite fait ouvrir le premier monde et... Mon pote qui me fait marrer sur Skype. On va vite visiter le premier monde et on va se laisser, je pense. Là, c'est lui qui est loquède. Non, mais ça, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, c'est plus possible. Vous avez vu, c'est du foutage de gueule. Je cherche le spatial IO. Je veux pas chercher des sacs et il me donne quoi, des sacs? C'est ici. Voilà, visiter, on va les ouvrir, ça me sert pas, et ça me sert pas, à quoi ça me servira de faire pop des chats qui me veulent du mal. Je voulais juste regarder ce qu'il y avait là-dedans, mais c'est cool, il y a la première salle. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est la mettre là-dedans. Bon, d'abord, hop, la mets, hop. Oula, ça a eu un lag. Réacteur observatoire. Vous voyez, ça a généré le monde. Je le veux sur moi. Vous avez vu, il y a du mob. Il y a du mob. Non. Ça pop tant que ça. On va avoir du mal, les gens, si c'est comme ça. On va se faire des glingues si on trouve pas un stuff. Bon, je me sens seule, tu fais quoi, The Man? The Man? Je parle sur Skype. Ok, je me sens seule là, sérieux. Ah ben, faut parler. Connard. Bon, je vais récupérer ça, ou la voix des pickaxes aussi. Je me suis récupéré un petit stuff, même si c'est pas le meilleur des stuff au monde. Alors. Ouais, ça c'est cool. Excusez-moi si vous entendez un écho, pardon, puisque j'ai pas mis mes écouteurs. Non, on n'entend pas. On n'entend pas. D'accord. Allez, on coupe le bois. Ah. On coupe le bois. Alors. J'ai dit on coupe le bois. Ah mince, la souris qui bug, c'est horrible. Oh, il y a faster living, fast living, je sais plus quoi. Voilà. Des pouces. Par contre, on crève, on perd notre stuff, donc faut faire gaffe. La cleaver a fait mal. Elle a pas beaucoup de durabilité, c'est ça le problème aussi, ça va. Voilà. Voilà, de la Garden Stone, c'est très très bien. On va fouiller, hein. On vient de là. Pas pourquoi j'ai pas envie de descendre en bas, parce que c'est là qu'on a vu les bugs de Chunk. Et tous les mobs. Failli crever. Il y a des squelettes. Ouais, il y a du mob. Bah, il y a même des blizz. Les blizz, si vous savez pas c'est quoi, c'est les mobs de Thermal Expansion. Ok, salle rouge. J'ai quand même une intuition de ce que ça va être. J'en étais sûr. C'est quoi ça? On va faire du stuff avec ça? Non. Ouh, par contre, les torches là, ça m'intéresse. Je pense qu'on va juste prendre la danse redstone, hein, parce que le reste, ça n'a pas l'air. On va prendre juste ce qui est fait en redstone et c'est déjà bien. Il faudrait aussi que j'aille chercher des blocs et que je pose mon canister.
Ah, j'avais pas vu. Fallait que je visite ça. Que j'aille dans la Red Room. Et que je récupère du pur chaplings. Ok, j'ai l'inventaire full. Commence bien. Des trucs en bas, j'ai l'impression. Bon. On n'a pas fini de tout visiter, les gens. Pas fini, mais ça fait déjà 25 minutes, je crois qu'on tourne. C'est rapide. Me demander un truc. Hop, on va poser ça là-dedans. Hop. Ouais. Oh, ça c'est intéressant par contre. Même si ça fait un cœur, c'est déjà intéressant. Non, deux cœurs. Très intéressant. Je sais pas ce qu'il est en train de se dire, The Man, mais je sens qu'il est en train de se foutre de ma gueule. Je sais pas pourquoi. Je suis pas comme ça, moi. C'est une intuition. Moi, je suis pas comme ça. Désolé, c'est gueule derrière. Oh oui, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as des problèmes, t'as des problèmes, c'est pas de notre faute. Bon, ça nous sert pas. Ça va gicler. Ça nous sert à quoi le fertiliseur déjà? Oui, c'est de la bonne mille. Qui est chiant à crafter, certes. Ça nous sert pas, j'ai dit. Non. Ça, je lag un peu, c'est. Voilà. Voilà une flinte, pickaxe. Le diamant, on le repose. Cookie, je m'en garde 32. Non, je prends tout. Truc des les livres des Tinker, je m'en fous. Un survival générateur, je m'en fous aussi un peu. Voilà. Ils sont les trois vides. Donc. Voilà. On met les petites cartes dedans. Et voilà, on a. Ok, c'est le système qui donne ça directement. Ok. Hop, des torches. Un sac. Mais aujourd'hui, ce sera la journée des sacs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? De la sandstone, c'est toujours cool. C'est pas plutôt des reward Oh, c'est pas grave, c'est des sacs. buy. Ouais, donc reward buy, C'est des sacs. c'est ce que je dis. Vous, dans les commentaires, vous direz si on s'en fout que si vous voulez que j'appelle les reward bags ou les sacs. Vous vous en foutrez, je Dis sais. bien les reward buy pour le faire chier. Va te faire foutre. Tu connais ce mot? Ouh, Jamais j'ai entendu de ma fini. vie. Vous voyez ce que je dois endurer chaque jour? Le pauvre petit chat. Te faire, sinon je raccroche. Marre. Bon, désolé un peu, mais il fait exprès pour gâcher ma vidéo. C'est pas... Il est nul. Il est méchant. Ben oui, faut que les gens ils rigolent un peu derrière leur écran. Connard. Vous Oh, voyez j'ai ce que peur. je dois endurer chaque jour, hein? Hein? Salope. On dit ça pour rigoler un peu, hein, les gens. On sait très bien qu'on dit ça pour rigoler un peu, quoi. Donc disais pas ouais pourquoi tu insultes et tout. Ah, Je... ça fait
Ça fait une demi-heure, donc on va se laisser ici. Futur épisode, je laisserai The Minecraft à l'abandon. Je n'irai pas le chercher pour qu'il pourrisse pas ma vidéo. Hein, Bon, je déconne. Non, mais même, c'était pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Ouais, c'était pour vous expliquer pourquoi vous voyez un skin robotique au lieu d'un skin multicolore, quoi, aussi. Bon, allez. Et ouais, pourquoi Patay, c'était sur ma chaîne. Bon, allez. À plus tout le monde.